Et coucou YouTube, on se retrouve pour la suite du guide sur Elden Ring. Donc j'y suis, voilà, directement, parce que j'ai pas pensé à le faire le dernier coup. On va changer la cendre de guerre, je vais remettre la griffe du lion, toujours en lourd, pour avoir le meilleur marqueur dex. Je pense qu'aucune, ouais, le bonus est bien plus intéressant en lourd, vu ma force. Voilà. Il va mettre du coup maintenant de lancer ce spell là. Avec ma clé mort, que j'aime beaucoup. Ce spell, je l'aime beaucoup, je dois l'admettre. On est dans la mine, la galerie grisaline de Celia. On y a accédé depuis, depuis le lac putréfié, là. Enfin, pas le lac putréfié, le marais d'ivoine. On y est allé une première fois avec un coffre téléporteur. On va maintenant explorer complètement cette mine, ce qui fait partie des donjons. Il est pour moi impératif de faire. Enfin, impératif, j'exagère peut-être un peu, mais. Il est pour moi très important de faire. Alors, on va pas d'abord tuer ces mobs. Tous ces mobs-là, on va les laisser pour l'instant. Tous ces mobs-là, on les laisse. Tous ces mobs-là, on les laisse. Premier mob qu'on va affronter, c'est celui qui est sur le toit, là. L'occasion de prendre notre revanche. C'était quand même bien vénère. On va ensuite aller tuer le mob qui est là-bas. Alors lui, on peut peut-être... Ah, merde. Je vais lui faire un finish, mais... Tuons d'abord ceux qui tapent à distance. Et hop, voilà. Arconique. On va pouvoir commencer à fouiller maintenant. Le problème des insectes, en fait, c'est qu'ils vous tapent de super loin. Et c'est un petit peu pénible, là. Voilà, faut le dire, hein. Il y en a un qui vient de se lever à gauche, je l'ai vu. En plus, je ramasse ça alors qu'on s'en fout de ça, littéralement. Non, je vais mourir. Reviens à la limace. C'est pas une limace, Aura, c'est un mille pattes. Ouais, bah, reviens. Putain, quelle horreur. Quelle horreur. Bon, de toute façon, il fallait qu'on descende pour refouiller toutes les cabanes et tout le bordel. Donc l'intérêt des mines, vous le connaissez, hein, c'est bien évidemment les pierres de forge. Et on peut passer par là aussi. Je sais pas si c'est plus rapide ou pas, escalader par ici. Toutes les petits cristaux bleus là... bof. Enfin, ça sert à rien de se casser la tête à les ramasser, on s'en fiche. Hop, hop, il y avait un objet sur cette poutre ici. Normalement, on peut tenter le saut d'ici. Voilà, pour ramasser l'objet qui est censé être là. Hop. Non, j'ai cru voir une pierre de forge de l'autre côté. Là, il y a un mob juste à notre droite. Je voulais lui faire un backstab, mais... Visiblement, les backstabs, c'est pas ça. Pourquoi jouer subtil alors qu'on peut juste taper? C'est aussi une vraie question, ça. Non, parce que la subtilité, c'est bien. Les dégâts, c'est mieux. Nous, ici, on est là pour tuer. Hein, on n'est pas là pour... bref. Dans tout ce passage-là, on a normalement déjà fouillé. Puisqu'on était venu la première fois et j'avais vraiment rush. Mais on avait quand même ramassé quelques objets. Donc, il devait y avoir un objet en face. Bref. Ici, il va y avoir un mob en haut. Ça va être notre premier objectif. Le mob au-dessus. Toujours les mobs à distance en premier. Ah ouais, oui, non, mais arrête, j'ai pas retapé là, bonhomme. Bon. Il soigne quand même. Il a les yeux jaunes, lui, non? Ah, pas du tout. Il est où l'insecte, là? Ah, mais... Pff, je les trouve tellement cheatés, leurs dégâts, eux. Ils peuvent être en bas d'un escalier, ils peuvent te tirer dessus. Ah là là. Quel enfer. Bon. Oui, du coup, je suis tombé trop bas. C'est pas grave, puisqu'on avait déployé les chaînes dans notre premier passage. Si jamais vous l'avez pas déployé, ben, va falloir faire tout le tour. Ok.
Si. Voilà, donc pierre de forge, pierre de forge. Là, un petit coffre. Perce-roche. Reprendre l'échelle. Non, cette échelle, on fait que de la prendre. Oui, oui, je sais. Pas grave. Là, il y avait une pierre de forge ici, dans l'an, il me semble. On l'avait déjà ramassée sur notre premier passage. Et là, vous vous souvenez, j'avais dit, on ramasse pas l'objet ici. On va directement à droite. En fait, si on ramasse l'objet, il y a le mec qui sort et qui nous tape. Mais là, vu qu'on connaît... On peut l'avoir subtilement. Donc là, il protège le talisman. Si vous êtes foi et vous avez suivi le guide, vous l'avez ramassé. Si jamais c'est pas le cas, il y a un talisman qui donne plus 5 fois juste la ramasser. On continue d'avancer. On a le boss juste ici. Je sais même plus exactement quel boss c'est. J'ai oublié. Hop, vitalité. La potion de mana. Et on se prépare à invoquer, pardon, Oleg. Pas Oleg, pardon, comment il s'appelle? Lutel. Une créature stellaire. Alors le problème de ce mob là, c'est qu'il est très résistant en fait. C'est surtout ça, sa grande force, c'est qu'il est vraiment très résistant. Donc ça, vraiment un combat d'endurance. Bla. Et là je pense à tous les gens qui jouent dextérité avec un petit katana qui rebondit sur son... sur le mob. Hop, voilà. Petit coup d'épée. Merci, bonsoir. Hop. J'ai l'impression qu'il a un point faible sur la tête. Hein. Ça fait... Ça fait des bruits de sang alors que le reste du corps ça n'en fait pas. On chope des pierres de forge sombre, des pierres de forge, des pierres de gravitation et surtout la perle de pierre de mineur, de pierre sombre pardon, qui se donne toujours au hub et qui permet d'acheter des pierres de mineur sombre. Pierre de forge sombre, je sais pas pourquoi je dis mineur sombre, Dofus qui est revenu d'un coup dans ma tête. Bref, des pierres de forge sombre 1 et 2. Donc maintenant que ça c'est réglé, on va s'occuper de la porter au hub après. Il nous reste encore un petit détail à faire. Je peux level up. J'oublie à chaque fois, je peux level up. Du coup on va level up, voilà. J'ai bien envie de mettre un point en endurance. Mais je pense que je vais le mettre après. On va mettre un dernier point en force pour mettre à 30. Et je pense que je vais monter à 26 endurance après. Peut-être pour essayer d'enlever ça. Il augmente un peu l'endurance, un peu le poids portable, un peu le truc. C'est très bien, hein, cet objet. Mais peut-être regarder des trucs un peu plus spécialisés. Faut voir. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. Pourquoi j'y vais à pied? Je peux me TP. Bah, je ne peux plus. Super. De toute façon, c'est pas très loin. La zone est petite. Hop. On passe devant l'arc unique, je le ramasse. Les arcs uniques, pareil, hein, dans le guide, je les présenterai pas spécialement. Là, je passe devant, donc je le prends, mais... Ça fait pas partie des objets ultra importants à ramasser, selon moi. Bon. La grâce est là. La grâce est là. Et en fait... J'allais dire, je vais me le prendre dans la gueule, celui-là, mais... Et en fait, juste ici, il y a aussi le... l'effigie pour affronter le boss qui est juste en face là. Voilà, il m'aggro toujours le bonhomme ou pas?
Non, c'est bon. Alors, je vais directement faire ça. Prendre la potion de mana. Lancer vitalité bestiale. Lame de l'ordre. Hop. Et merde. Super, on commence le combat avec des potions en moins, putréfaction écarlate. Tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors ce boss, qui est un boss indispensable, il va d'abord invoquer des ZAD. On va tuer les ZAD. Alors à noter que si l'utel est suffisamment monté, ce qui n'est pas mon cas, parce que je fais vraiment pas beaucoup de donjons optionnels, entre autres, bah il peut limite s'en charger tout seul. Il est très lent à lancer ses sorts et globalement il est pas très très fort ce mob. Le truc c'est qu'il met beaucoup de délai entre ses spells. Mais ils sont assez faciles à esquiver. Il tape, globalement il tape autour de lui, il met de la putréfaction écarlate, mais ça va. Voilà, c'est ça qui dont je parlais. Vous voyez que là je prends tous les spells, ma vie ça va. On va faire le petit... choper la putréfaction, donc on va reculer, prendre la potion de mana, la flamme purifie-moi, et une deuxième petite potion, hop, ah, pourquoi j'ai fait une roulade arrière, c'est bon. Alors, il va réinvoquer des ZAD à un moment. A noter que ce boss, on peut le faire à cheval. Hein. Notamment pour ces ZAD, si jamais vous vous sentez plus à l'aise pour les ZAD à cheval. Je me demande si je fais... Ouais. Voilà, il va réinvoquer des ZAD. 3 si je ne m'abuse. Donc là par exemple on pourrait très bien prendre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment. Ah, vous n'êtes pas obligé évidemment, je disais. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Moi je suis plus à l'aise sans cheval. Super. Ah c'était un beau move ça Aura. Ça aussi Aura. Oui écoutez. Non mais on admire, on est là, on écoute. Ah, bah ben voilà. Là c'est mieux. Vous voyez qu'il est vraiment très très lent dans ses délais d'attaque. Je pense que c'est vraiment la difficulté du... S'il y en a une, ça va être vraiment la difficulté du fight. Parce que même les ZAD sont pas très durs à choper. On va prendre une seule épée à deux mains. Ouais, j'ai plus de potions. Bon, on va reprendre les épées à deux mains. J'ai pas pris l'épée. Quel connard. Oh là là. L'intérêt des attaques sautées, c'est que à chaque fois qu'il me lance une attaque alors que je suis à genoux comme ça. La patte, j'ai pas eu le temps, j'étais en train de... Ouais, trop tard. J'étais en train de vous montrer, du coup j'ai pas eu le temps. Qui lance un attaque alors que je suis un... Hop, je suis à genoux. L'attaque passe au-dessus de ma tête. Et du coup, bah, c'est top. On a chopé un étendard. On va se régénérer parce que j'ai vraiment plus de potions du tout. Un étendard et l'aiguille d'or qui a été demandée par le petit vieux Gori. Regardez vite fait l'étendard. Donc force dextre, principalement force comme on le voit aux attributs Ruki. Et en buff c'est un cri de ralliement, donc c'est pour buff tous tes copains. Donc les invoques, les PNJ ou les joueurs hein, si vous jouez en multi. Enfin les joueurs alliés évidemment.
et l'aiguille d'or pur. Et si on regarde dans les objets de quête, on voit qu'ils nous disent d'aller la donner à Gauri le sage, compte en faire un usage bien précis. On va pouvoir aller voir Gauri le sage, juste là. Alors, on va y aller à d'autres poneys. Allez, avance. Avance, petit poney. Avance plus vite. Avance plus vite, toujours. Fais le tour du chien parce qu'il a quand même pas l'air hyper, hein, hyper sympa. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Super, secret de Celia. Have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan. A meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Ouais, ouais, faisons ça. Donc là, quand il dit attendre un moment, globalement, il faut qu'on aille à une grâce. On va en profiter pour aller à la table ronde. Je voulais level up à la fois. Toi, parce que t'es en plus 2, mais c'est vrai que tu fais pas encore... à le passer en plus 5. Ça me paraît bien. De toute façon, j'ai pas les muguets supérieurs, donc plus 5... C'est parfait. Ah, et on peut parler avec elle. On va parler du coup. I feel like I'm really coming to grips with spirit tuning of late. I can see how and why immortal essence exists. A spirit under the golden order. I can understand their yearnings. What they become drawn to. Master Hugh said it himself actually. That I'm no mere apprentice any longer. Once again, I'm pleased to make your acquaintance. Roderica, the certified spirit tuner. Voilà. Roderica qui s'épanouit dans son nouveau métier entre guillemets, hein, disons dans sa nouvelle activité. Well, I took you from that man to lay out your arm. Alors, à propos de Roderica. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice or a daughter, but at times that's precisely what she feels like to me. I've gone soft, and it isn't easy. Alors je vais voir si je peux améliorer mes armes. Je peux effectivement améliorer mes armes. Par contre, j'ai pas de runes. Hop. Est-ce que je crame? Ouais. On va cramer quelques-unes pour level up. Un petit peu mes épées, au moins un level chacune. C'est plus qu'un level chacune, mais... Là, je peux plus. On est déjà à 10. Et là, je peux la monter encore un peu. Et je pourrais aussi monter ça. Mais ça, c'est pas ultra urgent, puisque je m'en sers pas pour taper, en fait. On va monter un peu. Hop. Voilà. On a en plus 14. En plus 15, ce serait plus joli. 14 et plus 10. De pouvoir taper un petit peu plus fort. Et on va retourner du coup voir Gauri. En plus, je pouvais bien les améliorer mes épées. Hein. On sentait que c'était nécessaire de toute façon vu les dégâts que je mettais dans. Enfin, que je mettais justement, que je ne mettais pas dans sur les boss récents. Now
restore the rotting sickness, I'm sure. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Millicent rechappe l'aiguille d'or pur. The church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her, or rather her rotting sickness, as a god. A wretched fate, indeed. The poor girl, she never wished for any of this. La fée? Do you find it peculiar that I would show such concern for the girl? Oh, tu fais ce que tu veux de ton temps libre, hein, y a pas de... A mere babe in the swamp of Aeonia. She is one of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Now, all you need to do is deliver the needle to Millicent. She's convalescing in the church atop the cliff. Do so, and you shall. Ouais, bon, ça, bon, globalement, on avait compris, il va le répéter en boucle. On n'a pas lu tout à l'heure les secrets de Celia. Notre mise par Gorille le sage détaillant le secret qu'il a promis. Le village de Celia dissimule la source. Allumez 3 bougies au sommet des tours pour briser le sceau. Voilà l'indice. Donc il y a des bougies allumées au sommet des tours. Et on peut lire normalement l'aiguille. La description n'est pas la même. Elle a été réparée par Gorille le sage en prétendant que cet objet rituel qui fut conçu pour contrer l'influence des divinités extérieures serait capable d'endiguer l'incurable putréfaction. Et après, bon, vous voyez la petite phrase. Il nous répète en boucle pour savoir où est Millicent. On va maintenant fouiller Celia et tous ses mobs invisibles. Alors là, il faut résister à la magie. Je pense que je vais faire comme ceci. Hop. On va essayer de tuer tous les mobs de la zone. Pourquoi faut tuer tous les mobs de la zone? Pour fouiller tranquillement. Il n'y a pas d'autre raison, c'est juste je me sens plus serein. Le mec est en train de lire en étant invisible, tout va bien. Il me bloque, cet enfoiré. Ah. Voilà. Ok. Mais enfin! Il s'est enfui, le salaud. Ouais, bah, ouais. Il y avait un mur, hein. Du coup, ça marche moins, forcément. Quoi? Ok. Quoi? Parfait. Là, il y a un petit tableau à ramasser. Le lion rouge. Comme d'habitude, faut trouver l'emplacement qui est destiné sur le tableau. Alors, ça sera pas tout de suite, hein, mais comme d'habitude, on va avancer un petit peu dans le jeu. Et puis, quand on aura atteint l'endroit où on pourra voir ce tableau-là, je vous le dirai. Et puis, vous voilà. Vous pouvez évidemment le chercher de votre côté avant. Hop. Alors vous voyez qu'il y a des sauts comme ça qui bloquent des choses. Je vous invite à noter sur votre carte chaque fois que vous croisez un saut. Il y en a 3 dans la zone. On va les noter, ce sera plus facile de les retrouver après. Ça c'est marrant, j'avais vu le mec derrière mais pas celui-là. Elle est sacrément longue ton épée. Le deuxième est là. On va mettre hop, un marqueur ici. Cheval pour aller plus vite. Là il y en a un autre. Bon celui-là il va pas être très dur à retrouver. Puis il est relativement grand, éloigné des autres. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant on va fouiller le rez-de-chaussée. Hein. On s'occupe juste de fouiller le... Quand je dis rez-de-chaussée je veux dire le... Pas sur les toits quoi. Les rues. Ah, les rues de Celia. La ville n'est pas très grande, hein. Ils disent le village de Celia ou la ville de Celia, mais c'est vraiment une petite ville. Hop. Il y en a d'autres, hein. Ils sont partout. Invisibles, les petits enfoirés.
Non. Je suis con, putain, il y avait une pierre. Il y avait une pierre. La tristesse. Là, il y avait un mob, non? Ouais. Il y a aussi un toutou. Un toutou de la putréfaction écarlate. Mais... Oh putain. Ah! Ça va, j'ai rien, c'est normal. Non, c'est normal. Ah, et puis il me l'a mise, la putréfaction. Mais... Combien d'épées il faut pour le buter, ce con-là? Quel enfer! Ah là 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 là! Pourquoi tu passes pas juste en courant vite, Aura? Parce que après ça me gave, j'ai passé mon temps à courir, je vais me faire buter par des mobs qui me tapent par derrière que j'ai pas vu venir alors que je suis en train de faire un saut ou que je suis en train de fouiller. On met un marqueur. Hop. Oui, alors peut-être que tuer les ennemis avant de mettre leur marqueur, c'est bien aussi. Peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà, j'énonce un fait, voilà. Enfin, j'énonce une possibilité, disons, la possibilité d'un fait. Il y en a un dernier là-bas. Voilà. Ça pour un liste de Mikaela, bordel. Je me sens un peu arnaqué sur ce coup-là. Bon. Je crois que tous les mobs ont été oxy, quasiment. Il doit en rester peut-être... Là, sur la droite... qu'on a fait les grandes lignes. Alors lui il est tombé du toit. Bon tu arrêtes maintenant. Non, voilà. Donc on escalade. Pour escalader on va passer par là. Hop. Il y a d'autres chemins. Hein. Là je suis en face de celui-là. Donc je vais prendre celui-ci. Hop. Un objet. Les lames de pierre, très important. Non, ne tombe pas. Ouais, escalader. Allumer la première bougie. Eh, c'est des sacrées grosses bougies quand même. Oui, mais ils ont dit bougie. Alors moi, j'appelle ça des bougies. Il y a un petit scarabée là. Vous avez un sort à distance, c'est idéal. Sinon, on va y aller à pied. Ouais, parce que le dernier coup, t'as dit d'utiliser un arc et... Oui, oui, je sais, le dernier coup, ça s'est mal passé. Je m'en souviens. Je m'en souviens. On va d'abord passer par là. Hop. Hop. On va allumer la flamme. On va continuer de fouiller. Je peux pas utiliser mon... Alors on pouvait continuer par là, mais on va essayer de ramasser tous les objets. Soso m'inquiète un peu. Traduction littérale, fichtre. J'ai chu. Voilà. C'est pas grave. Tout était volontaire. Tout était calculé même. Donc le scarabée. Je déteste ma vie. En fait, fallait bien tirer à distance. Bon. Prendre l'arbalète. Histoire. Voilà, mieux. Donne un petit spell. Hop.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Champignons toxiques. On passe en face de... Hop. Voilà. On passe en face. On va ramasser cet objet-là. Un casque encore en forme de scarabée. Mais qui veut porter des casques en forme de scarabée? Certainement pas moi. Hop. La graine dorée. On va pouvoir passer par ici pour la dernière. Alors il faut toujours utiliser le cheval. Hein. Pour faire des sauts comme ça, escalader comme je le fais, c'est avec un poney et rien d'autre. Voilà, donc la dernière petite... torche à allumer. Vous voyez que quand on allumera la dernière, on verra qu'au fond, le seau, il s'efface. Vous vous souvenez des portes que je vous disais de marquer avec une icône? Il va falloir qu'on aille les rechercher maintenant. On va quand même aller chercher cet objet là-bas, avant. Oui. Oui, s'il te plaît. Maintenant, on va la retourner à toutes les icônes de coffre. Il y en a une juste en dessous, là, où on est. Bâton de revers. Est-ce qu'il est bien? C'est un bâton. Ah, c'est un bâton. Pour les sorciers, donc juste en dessous, juste là. Le premier coffre. On va du coup l'enlever de la carte. Oui, non, faut l'enlever de la carte maintenant. Parfait. Il contient un talisman de dragon magique, plus 1. Ce qui est tout à fait qualitatif. Alors globalement c'est le même effet que l'autre mais en plus 1. Ah bon? Oui. Il y en a un qui est censé être là donc oui ça va être ici. Voilà. Comète nocturne qu'on peut lire. Il nous en reste un dernier. Et derrière. J'ai pu passer sur la gauche, quel idiot, c'est pas grave. Voilà, celui-là qui est très intéressant puisqu'il s'agit de clé lame imprégnée. Ah putain, la troisième. Et eh oui, la troisième. Alors, remarquez qu'elle était assez loin. Il y a quand même un rapport entre les deux zones puisque la première on l'a trouvée donc à Lurnia sur place, la deuxième dans la cité de la, enfin dans l'académie de magie, et la troisième du coup dans la cité de la magie, enfin de la sorcellerie. Voilà. Du coup, il y a quand même un rapport. Hein. Il y a quand même un rapport avec tout ça. Je vais prendre la grâce qui est juste ici. On va passer par l'autre porte. C'est là-bas. Passer par cette autre porte. J'aurais peut-être dû me reposer avant, puisque c'est un boss. Pichtre. Elle dort. Est-ce que j'invoque mon machin? Ouais, vas-y, ils sont deux, on va invoquer. Ils sont deux, on est deux, hein. On va taper, je sais pas moi. Tiens, celui-là. Raté. Un coup de... Oh là là. Ouais, ouais, ok. Bah, vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. On va mettre le scarabée. Voilà, on va cramer la papate. Je sais pas si ça se cumule. Ouais, si, c'est bon, il y a deux icônes, ça se cumule. Parfait. On chope une épée nocrienne et 10 000 runes. Alors, on aurait dû choper beaucoup moins de runes, je pense, normalement. Mais bon. On va mettre le truc qui augmente la force, voilà. Donc l'épée nocrienne, c'est une épée courbée. Dexte principalement. Et en fait elle s'allonge. Je pense. Je sais pas si je pourrais le montrer ou pas. Genre quand je tape normalement ça va. Attaque lourde. On sent qu'elle s'allonge un peu, mais je crois que c'est vraiment l'attaque spéciale. Voilà, c'est ça.
qu'on a grâce quand même. Et j'allais montrer l'autre objet, mais l'autre objet, je l'ai pas, j'ai pas encore ramassé parce qu'il est dans le coffre. Eh, ça marche moins bien, forcément, hein. Oui, un peu. Le bâton d'éclat de Lusa. Voilà. On avait chopé le bâton d'éclat d'azur à l'académie. Bâton d'azur, le sorcier originel. C'est ceux qui ont touché à l'impénétrable sagesse des pierres peuvent le porter. Okay. On a maintenant le bâton d'éclat de Lusa. Bâton de Lusa, le sorcier originel. C'est ceux qui ont touché à l'impénétrable sagesse des pierres peuvent le porter. Quoi? Mais ça veut dire que... Oui, ça veut dire qu'il y a deux sorciers originels. Originaux, du coup. Oui, bref. Les deux ont un petit spell un petit peu différent. Alors, on m'a dit que c'était un bug de traduction pour le réduire le temps d'incantation des sorts. Je sais pas trop si c'est vrai ou pas. S'il y a vraiment un bug de traduction ou pas. Mais bon, bref, je le trouve plus joli, celui-là. Vous avez un autre bâton de sorcier que, qui est quand même très chouette. On a chopé aussi quelques runes. Par contre, les boss étaient vraiment pas très solides. Hein. En fait, c'est ça le problème avec Aenid, c'est qu'il y a des boss qui sont ultra vénères, comme le dragon, qui est très très costaud, on l'a vu, hein, j'ai dû mettre 150 coups, façon de parler. Et puis t'as ceux-là. T'arrives, tu mets deux coups, les mecs sont morts. C'est d'une tristesse. Est-ce qu'on... Oula, je vais dire oui, on va escalader. Bah tiens. Ça va être l'occasion de tester du coup. Voilà pour les dépop instant. J'aimerais... Alors là je mettais 700 points de dégâts, j'ai juste envie d'essayer un truc. Genre je vais mettre un coup simple. Ouais ok, bon 728. Je voulais tester de mettre un coup simple sans arme divine. Il doit y en avoir d'autres plus loin. Je crois, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres squelettes? Les gars! Il y a des squelettes? C'est quoi, on va tester direct. Je vais repop à la grâce. Hein. Et on va tester direct. Voilà. Alors j'avais mis 728. On va essayer maintenant. C'est pas lui. Il est où? Il est où l'archer? Là? Voilà. Donc j'avais mis 728, je vais juste voir maintenant les dégâts. Enfin, 728, c'est toute sa barre de vie, quoi. Combien je mets maintenant? 337. Ouais. Les dégâts sacrés contre les morts vivants. Ça tabasse. Ça tabasse sec. Tout là-haut, du coup. Alors attention sur le chemin. Et des petites surprises comme ça notamment. Voilà. Un petit dash avec le cheval, ça permet d'esquiver, mais bon. Sur un malentendu, ça peut être vénère. On arrive à la petite église dont vous avez parlé. Ah, lui, il a les yeux jaunes. Ah merde. J'ai voulu taper avec les deux armes, mais j'avais qu'une arme d'équipée parce que, bah oui. Non! Blanc! Ça va, j'en ai pris qu'un. Saloperie. 3000 runes, oh là là. Ok. On voit une dame en mauvais état. Who's there? Well, it matters not. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. On peut lui donner l'aiguille d'or pure, mais on le fera dans la prochaine partie du guide. Pour l'instant, on va hop, ramasser l'arme de vie, utiliser la grâce. On peut pas level up. Alors, les fioles, vite fait, ajouter une dose. Je peux ou pas? Oui, je pouvais ajouter une dose. Incroyable. Améliorer les fioles. Je pouvais le faire une fois, deux fois ou pas? Non. Et partir. On va faire comme ça. 8-3.
Ça me paraît bien. Ça me paraît pas trop mal. Et du coup, on va s'arrêter là pour cette partie du guide sur Elden Ring. Hop, la prochaine fois, on fera la quête à Millicent, ou en tout cas, on commencera la quête à Millicent. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, tant mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager. Hein, ça m'aide énormément. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch. Je stream Elden Ring quasiment tous les soirs en ce moment, donc venez faire un petit coucou. Me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur Elden Ring. Allez, salut, salut.